Bonjour à tous, bienvenue sur le stream. Putain, quel timing! En même temps que la fin de la musique. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne soirée hier, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous avez fait de gros dodo, que vous ne vous êtes pas trop bourré la gueule, que vous avez bien mangé, que vous êtes bien réveillé ce matin. On est ensemble, comme chaque matin, pour une heure de stream, le stream before work, tous les matins entre 9 et 10 heures. Une fois de plus, on va être sur The Witcher 3 puisqu'il s'agit d'avancer dans l'aventure. Vous vous souvenez, si vous m'avez suivi hier, qu'on est en plein dans les quêtes annexes. On est très proche de la fin de l'aventure, mais il y a beaucoup de quêtes annexes à faire parce qu'il faut aider des persos qui vont nous aider en retour à combattre la traque sauvage. Et ça, c'est très important. Salut à toi, Ina. Salut à toi, Fred B. Salut à toi, Swesty. Salut à toi, Samurai Wasabi. J'espère que vous allez bien. Très très bien. On va pas perdre de temps, il est 9h pile. Je ne suis pas à la bourre. Je vous assure, je suis pas à la bourre. Et ah, c'est parti. Salut le mot chapeau. Ouais, vous savez que c'est pas par plaisir le chapeau. C'est vraiment une nécessité. Pour pas avoir des trous dans la tête, comme on dit. Passons directement en interface qui va bien et jouons directement parce que une heure de jeu, ça fait court. Et que j'ai kiff jouer en votre compagnie avant de partir au travail. Et ça, c'est beau. Je t'en prie, Ina. Tout le monde a joué le jeu hier. Donc, où en étions-nous? Ah oui, il fallait que je parle à Ishlomar. Où es-tu, Ishlar? Il est là. On reprend, mais exactement là où on s'est arrêté hier. C'est ça aussi la puissance du mode veille de la PlayStation 4. Salut, Monkey D. Luffy. Bienvenue à toi sur le stream. Parce que j'ai beau être très pro-PC, entre guillemets. C'est vrai que ça, voilà, t'as rien qui permet de faire ça. De laisser... Enfin, si, tu peux mettre ton PC en veille, mais c'est pas la même consommation électrique, malheureusement. The Wild Hunt's preparing to attack Kaer Morhen. Could use your help. Raids at the gate of your Witcher stronghold. You're a friend of the clan. I cannot refuse you. Mais je vais d'abord te demander un service. No one crates ever stood in battle. Mark my words. I'll leave at once. Thanks. Won't forget this. Oh, même pas. Il m'a rien demandé en retour. Ah bon? C'est bien, là on n'aura pas besoin de se taper une quête, on s'en fout. Donc du coup il me reste plus, alors au niveau des quêtes, frère d'armes, il faut que je parle à Ymir maintenant. Et puis il me restera plus qu'une quête annexe, logiquement celle de la nana rousse dont j'ai oublié le nom, la sorcière, enfin l'espèce de nana un peu flower power qui a mis des animaux, de la nature, bref, Cécile Duflo. Il faudra que je trouve Cécile Duflo après. Donc toi, tu as regardé le replay, Ina. Le bébé dans le four, c'était effectivement de très bon goût. T'as vu ça? Surtout si en plus tu faisais un rôti. Pourquoi il me dit d'aller là? Il me dit qu'il faut que j'aille au Palais Royal. C'est parti sur un fou. Allons au Palais Royal. Salut, Octorok! Bienvenue à toi sur le stream, mon ami. Ah, il faut que je vous parle. J'en reparlerai dans l'émission de demain soir. Mais apparemment, il y a de gros indices qui convergent et qui nous amèneraient vers une annonce lors du prochain E3 d'un Dark Souls 3. Je sais ce que vous allez dire. Et heureusement, Grazel n'est pas là. Je sais ce que vous allez dire. Déjà, Dark Souls 2 est sorti il y a 3 ans presque. Bloodborne est sorti cette année, on va encore se taper un Souls. Je dis oui, mais s'il est bon, on s'en fout. S'il est bon, voilà, toute la vraie question pour From Software, qui était une petite, enfin c'est une petite boîte à la base, hein. Est-ce qu'ils ont les reins solides pour arriver déjà à faire un jeu après Bloodborne, et un bon jeu? Et apparemment, surtout la bonne nouvelle, c'est que Miyazaki reprendrait du service sur la licence. On sait qu'il a juste supervisé Dark Souls 2, et ça s'est beaucoup ressenti. Là, apparemment, il remettrait complètement les mains dans le cambouis, donc on pourra avoir un putain de jeu. Et là, je dis oui. Et peu importe. Peu importe s'il sort pas longtemps après l'autre. Voilà, mais tout ça ne sont que spéculations. Moi, ce que je trouve rassurant là-dedans, c'est au contraire, c'est qu'on n'ait pas de Bloodborne 2 tout de suite. C'est-à-dire qu'ils prennent le temps, qu'ils lancent pas tout de suite, mais effectivement, Dark Souls 3, pourquoi pas. Octo, ouais, encore du Witcher 3, c'est pas très original. C'est en même temps, excuse-moi Octo, mais je peux pas streamer un jeu différent tous les jours. Parce que mon temps de jeu, c'est mon temps de stream, donc j'essaie d'avancer sur mes jeux, forcément.
Et je sais, j'ai streamé beaucoup de Bloodborne, je stream beaucoup de Witcher 3, mais on arrive sur la fin, lentement mais sûrement. I don't doubt it. Against conventional foes. Ouais, je suis super excité. On verra, de toute façon, le 3 c'est dans 15 jours, donc on sera rapidement fixé. Salut, Sakevinas! Bonsoir à tous. T'es déjà bourré, c'est le matin, Sakevinas. Enfin, sauf pour Ina. Et donc, du coup, c'est sympathique de te mettre à l'heure tahitienne, polynésienne, comme tu voudras. Non, donc voilà, Octo. Il est bientôt fini le jeu, je pense. Je pense que vendredi, on finira, si tout va bien. Et après, on pourra attaquer autre chose. J'ai d'autres jeux en réserve, j'ai Wolf, j'ai du Halo. Pareil, alors je sais que t'es pas super chaud pour du Halo, mais il faut que je fasse du Halo également. Alors par contre, à vous de choisir le plus bandant, entre le 2, le 3, le 3 ODST et le 4. Bon, c'est le 4 qui a le moins mal vieilli, hein. On va être franc. C'est bon, lui aussi, il accepte de m'aider sans rien faire. Donc il me reste plus que Keira à aider. Et c'est là en fait que j'ai galéré parce que Keira, si je vais la voir, je me rappelle plus ce qu'il faut faire. Donc c'est une quête annexe. De toute façon, il me semble qu'il doit pas m'en rester des millions à faire à Velen. Elan. Vrlon. Boum, excuse-moi, je te bouscule. Je me lève. Et je te bouscule. Alors, la quête. La quête. Donc j'ai parlé, donc c'est une quête secondaire. Donc, c'est une quête que je dois faire à Velen. Déjà. Donc je regarde mes quêtes secondaires. Putain, tous ces Novigrad, Eskelidge, Velen. Alors soit c'est défenseur de la foi, en ce qui concerne les dieux, gna gna, Geralt est adepte du gna, je sais pas si c'est ça. Les divertissements étaient rares, je pense pas que ce soit une course non plus. La chambre de Cyrine, tiens. Putain. C'est laquelle que je veux faire. Quand Geralt découvrit qu'il existait à Velen un cercle de combat à main nue, il décida de participer pour mettre sa force à l'épreuve. Non, j'ai pas encore vu non plus Ina. Merde. À quelle quête se rapproche? Aider Keira à régler ses affaires. S'il y avait bien une personne à Velen capable d'aider Geralt à affronter la chasse sauvage, c'était Keira Metz. Donc c'est quoi ses affaires? Je me rappelle plus, c'est une catastrophe, je me rappelle plus la quête annexe que c'est. God, c'est Game of Thrones. Ils avaient préférence sur les courses de chevaux nocturnes, je sais plus. C'est de châtier les coupables, ça non, c'est pas celle-là. Un homme de parole, c'est ce que fit Geralt, Tamara, la fille du baron, blablabla, ça c'est le truc du baron, on s'en fout. Stipulé qu'un chasseur cherchait pour retrouver son épouse disparue dans les bois résidant quelques jours plus tôt, déjà lancé la mission et décidé de venir en aide au chasseur. Je me souviens plus du truc. Moi bon, je pense que ça doit être ça, la magicienne indisposée. Je sais pas, on va tenter ça. On va tenter cette quête là. De toute façon, ça se passe forcément à Velen. Velen. Allez hop, téléportation. Désolé. Ce sera probablement, je pense, le dernier stream chiant, entre guillemets, avant qu'on attaque vraiment la vraie dernière ligne droite de The Witcher 3. Voilà, je suis en train de faire les dernières quêtes annexes. Donc je profite de ce matin pour le faire, en votre compagnie, bien évidemment. Et je pense que si j'arrive à régler ça aujourd'hui, donc il ne me reste plus qu'une dernière personne à recruter, on va enfin attaquer vraiment le grade Witcher, c'est-à-dire qu'il va y avoir la bataille épique et finale, j'imagine. Entre voilà, tous les compagnons qu'on a rencontrés au cours de l'aventure, contre la horde sauvage, la traque sauvage, la chasse sauvage, comme vous préférez, ce qui représentera à mon avis la fin du jeu. Mais il faut malheureusement en passer par là, il y a des quêtes annexes.
Encore plus quand t'as pas de cerveau, que t'as pas retenu. T'acceptes une quête en fait, mais t'as pas retenu quel était l'objet. Et vu que t'as accepté toutes les quêtes précédentes, si tu veux, t'as genre 15 quêtes à faire à Velen. Et avec mon bol, je serais capable de faire les 15 et que ce soit la dernière qui compte. Mais vous avez compris le principe. Petit écran de chargement, comme d'habitude. Game of Thrones, ça tue. Je vous conseille, je l'ai pas encore vu, mais j'en ai entendu énormément de bien. Du coup, je pense que je vais aller le voir ou le télécharger, l'acheter plus tard. Salut Nax, bienvenue à toi, c'est Maggie avec Schwarzenegger. Alors je sais que dit comme ça, ça a l'air complètement ouf. En fait, c'est un film où Schwarzy est complètement à contre-emploi. Moi, ça me fait un petit peu penser à The Last of Us, ma version cinéma, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un film de zombies, sauf qu'il n'y a aucune action et qu'on voit pas de zombies. Donc l'histoire, c'est Schwarzy qui a un père et il y a sa fille qui vient d'être contaminée. Et en fait, pour pas faire chier sa famille, machin, qui la voit dépérir, elle décide de se barrer. Et elle fuit la maison. Et elle commence un road trip à travers les États-Unis et son père, en fait, donc Arnold Schwarzenegger, va partir à sa recherche parce qu'il a envie de passer et d'être aux côtés de sa fille lorsqu'elle va mourir, tout simplement. Donc apparemment, c'est un film très touchant. Schwarzenegger est complètement à contre-emploi dans le film et du coup, ça m'a donné ultra envie de le voir. Apparemment, voilà, c'est l'équivalent de Copland de Stallone, mais pour Schwarzenegger. Donc Stallone était absolument excellent dans Copland et apparemment, Schwarzenegger est excellent dans ce film. Donc, je sais pas s'il y en a un ici qui l'a vu. Perso, ça m'arrange que tu stream tout le jeu, comme ça je tournerai moins. Donc, trouver des ingrédients dans le convoi disparu. Déjà, il est où le convoi disparu? Oh! Calme-toi! J'aime pas ces créatures. Le convoi. Ça. Oh, putain. Top. Ah, la vue. Schwarzy qui joue bien, c'est comme une légende urbaine. Bah écoute, non, justement. Caméra. Bon, l'idée c'est de trouver le convoi, ok, on est d'accord. Je l'ai vu et je me suis grave fait chier. Oui, mais justement, voilà, je pense que c'est tout être qu'une question d'attente. C'est pour ça que je précise bien, c'est un film, il n'y a pas d'action. C'est vraiment un film sur les sentiments, donc sentimentaliste, diraient certains. Donc voilà, effectivement, j'insiste là-dessus. Faut pas s'attendre à voir un film où Schwarzy va défoncer du zombie avec une Gatling. C'est vraiment un film, voilà, c'est la relation père-fille, donc il faut s'attendre à ce qu'on regarde. Je suis d'accord avec toi, Sakavin, effectivement, c'est quand on voit Schwarzy sur une affiche, forcément on s'attend à ce que ça pète un peu des gueules. Donc c'est pour ça que je précise bien, c'est un film qui est lent. C'est un film d'auteur. Quelque part, c'est le premier film du mec. Donc voilà, un film d'auteur avec Schwarzy déjà. Juste pour ça, ça vaut le coup. Bon, tu vas mourir. Oh putain, il va exploser. Ah, j'ai horreur de ces bêtes. Waited for help, it never came. That's villain for you. Oh. C'est quoi ça? Trouver les ingrédients dans le convoi, j'ai toujours rien trouvé. C'est ça le convoi, mais oui, bien sûr, mais c'est bien sûr. Une faveur amicale, j'imagine que c'était sa maquette. Hein. Apporter les ingrédients à Kaira. Ouais, je crois que j'ai trouvé la bonne quête du premier coup. Du coup, on va pouvoir bien avancer. Ah, dans son genre, c'est clair qu'il n'y a pas mieux. Hein. J'ai pas. Enfin. Je vois ça vraiment, encore une fois, j'ai pas vu le film encore. Hein, mais je vois ça vraiment comme. Ouais, comme un The Last of Us version Sinoche, quoi. Après, je peux me tromper, hein, parce que bon, c'est pas vraiment le même scénario que The Last of Us, mais je veux dire, sur la relation père-fille. Oh! Tiens, one shot, connard! Qu'est-ce que j'ai à ramasser sur toi? Putain, il me donne pas de loot. Pourtant, j'ai le petit marqueur, j'ai la petite croix. Donne-moi du loot, fucker!
Bon, vous avez bien mangé vos céréales? Je vous sens un peu mou ce matin. C'est peut-être moi aussi. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour préciser, demain matin, il n'y aura pas de stream. Désolé. J'ai des visites à faire demain matin. Bref, j'ai des inscriptions à faire. Enfin, j'ai pas mal de trucs à faire demain, donc je streamerai peut-être. Peut-être demain à partir de midi, enfin midi 14h. Je sais pas encore. Ce qui est sûr, c'est que demain soir, il y a l'émission, 21h. Et que vendredi matin, on revient aux horaires normaux, donc à partir de 9h. Et ce sera pour toute la journée, vendredi. Donc vendredi, c'est sécurisé, c'est sûr. Demain, c'est beaucoup moins sûr. Je tenais à vous prévenir. Qu'il n'y ait pas de... Tu nous avais pas prévenu, H ! Je vous préviens. Tu ou Keira, Nile. C'est que les... Il y a que Sakavines, il est bourré, il y a que lui qui parle. Fais gaffe, tu vas vomir. Schwarzy, enfin, on en pense ce qu'on veut. Je suis entièrement d'accord, on en pense ce qu'on veut. Moi, j'étais aux États-Unis au moment où il était gouverneur, enfin, une partie de son mandat. Ce fut, alors ça a l'air incroyable à dire, et je suis pas américain, je suis pas resté là-bas assez longtemps, surtout le mandat pour pouvoir en juger, mais de ce que j'ai vu là, de ce que j'ai discuté avec les gens, ça avait l'air d'être un plutôt bon gouverneur. Il a fait beaucoup de choses pour l'écologie. Il a trouvé un état de Californie très très endetté quand il est arrivé. Bref, il a fait ce que François Hollande n'a pas fait. Non, je veux pas trop me mêler de ça. Je me mêle déjà pas de politique de France. Non, en plus la politique des États-Unis. Mais apparemment, voilà, c'était quand même un bon gouverneur. On sait qu'il y en a d'autres dont c'est la profession, qui sont des politiques nés, qui font quand même du moins bon travail. Et c'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses pour l'écologie, notamment. Bon, il était pas seul, mais notamment. Donc voilà, moi juste pour ça, c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'affection, on va dire. Il a quand même fait une belle carrière avec des beaux films de merde, mais dans ces films de merde, t'as quand même des trucs cultes, quoi. Terminator, c'est culte. Predator, c'est culte. Après, bon, il y a beaucoup d'autres choses. Commando, quand tu vois Commando, t'as envie de rigoler. C'était peut-être le but. Enfin, à l'époque, c'était du premier degré, mais maintenant, c'est de la grosse marada. On s'en fout de ce qui arrive à la souffrance. Ok, ma vie c'est de la merde. C'est dans quoi? C'est dans le Romain des Bois, ça, non? Ma vie c'est de la merde et je sais plus quoi. La grande époque où ils étaient sur comédie. I beg you, not another word about Zugles. Now to return to the fairy tale. I'd like to escape these ghastly swamps for one magical night. I don't need a... Elle me propose une relation de nature hétérosexuelle. It just so happens you're the only decent candidate in all Velen. So, what do you say to a moonlight ride on horseback? And dinner? Sounds tempting. So tempting, I don't think I can refuse. Before we go, there's one more thing. One more thing. Je vous présente l'iPad. No. I shall transform our Sarah Connor. D'ailleurs, il y a Terminator Genesis, il y a un premier trailer ou teaser qui vient de sortir. C'est Emilia Clarke qui joue Sarah Connor. Alors, je me réjouis vraiment de voir sa prestation là-dedans. Emilia Clarke, c'est Daenerys dans Game of Thrones. Donc c'est une petite fille frêle, machin, mais qui a quand même de la poigne. Hein. Enfin, quand je dis petite fille frêle, elle devient quand même un putain d'assassin. Mais voilà, je me réjouis vraiment de voir comment elle va camper Sarah Connor. Et du coup, j'ai l'impression que ce Terminator Genesis, de toute façon, il sera pas pire que le Salvation, le précédent. Il sera pas pire que Terminator 3. Qu'est-ce qu'elle m'a demandé? Ne fais pas cette tête-là, ce ne sera qu'une illusion, tu ne sentiras pas la différence. Et toi, entre dans l'autre. Ok, ok. Bah grave qu'elle veut pécho. Alors ce sera pas la plus belle que je me serais tapé dans le jeu. Je préférais Yennefer et je crois que c'est Ciri. Ah, le décolleté! Tu vas chevaucher au clair de lune, tu fais un dîner, t'as un décolleté comme ça. Et pas que le cheval que t'as envie de chevaucher! Tu vois ce que je veux te dire? T'es... Faites une course. Putain. Drôle de jeu. Hein. Hey, coucou, on fait la course à cheval.
Après, tu vas sentir la sueur, la transpiration, et... Enfin, surtout Geralt, en fait. Dieu sait que les femmes n'aiment pas ça. Je les comprends. Oh, la maniabilité à cheval! What the fuck? Ya-ya! Putain, elle me parle en allemand. Attention, Geralt, ça l'excite! Putain, je vais me faire battre! J'ai plus d'endurance sur mon cheval! Oh putain! J'ai pris le mauvais virage! Oh, la maniabilité est épouvantable. Ouais, je vais me faire battre. Je vais me faire battre, c'est sûr, c'est obligé. J'ai plus d'endurance. Putain, elle m'a battu. Ouais, mais ça, Ina, c'est la classe naturelle de Geralt. Toi, dans la vraie vie, ça arrive jamais. Ah oui, c'est vrai qu'il a chevauché des souris. Mmh. 9h21, Geralt va pécho. Spoiler alert. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai besoin de ces substances. Tout ça pour transformer des souris en chevaux. Tu m'as fait faire une quête secondaire pour transformer des souris en chevaux. En avis, Octorok n'est plus en mode podcast là. Il a senti qu'il allait se passer un truc dans le jeu. Witchers suck the marrow out of drowner bones and wash it down with bottled water. More or less. Well, we've chatted long enough on empty stomachs. Let's dig in. Must have cost you a small fortune. Sure, let's dig in. Please, I manage. Sans double sens. You know, a dozen eggs here, a cock or gander there. Besides, my finances are about to improve. Elle a un regard quand même de quelqu'un qui veut pécho. Et Geralt a un regard de chat. Donc lui, ça change rien, il a un regard relativement inexpressif dans ces moments-là. T'as l'impression qu'il sait que ça va lui tomber dessus, mais il s'en branle un peu. C'est assez insultant. All right, I'm curious. We celebrating something? Yes, a return to the living. C'est un cadavre. But that's not what I wish to discuss. Thank you once again, Geralt, for your help with the tower. Ah oui, je... Les petits yeux doux. Geralt. What happened on that island? Why I shiver at the thought. And the laboratory. I sincerely hope you burnt everything. The cages, the corpses, the papers. Hey, je vais répondre la troisième, c'est obligé. Je pensais que tu m'avais invité pour faire l'amour. Get down to business. What are you talking about? Sex. Here, isn't it? You may know about wine, but you remain quite unsophisticated otherwise. C'est clair, non, j'ai été trop bourrin. That's very good, because boars are much better in bed. Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Now, close your eyes and count to 10. 1, 2, 3, 4. Je suis à Walpé. Ah non, il est pas là. Merde. Want to play hide and seek? Why not? Ok. Le forge là, c'est original comme truc. C'est original comme scène. Trouve Kira. N'empêche, attends, il l'a su avec son odeur. Vas-y, toi aussi, trouve. Oh, elle a préparé la petite carpette qui va bien. C'est mignon. C'est mignon. Pouah. Found me. Congratulations. Si tu m'attrapes, tu me... Bon.
C'est pas un porno, c'est gentil, c'est... I have nothing on me, but I'll think of something. Oh, 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 Geralt Rivia, tu vas trop loin. Cette scène-là, je vais la mettre sur YouTube. Parce que juste la scène du « Tu dois me trouver avant », j'ai trouvé ça excellent. Calme-toi, voyons. Elle est déjà rhabillée. Elle s'est rhabillée. No, it has a different name, but indecent actually. Different name. Lean closer and I'll whisper it in your ear. Ouais, c'est exactement ça. Victoria's secret is on the line. Mais tu n'es plus là? Kira, where? What the fuck? Put me to sleep with a spell means she's up to something. Fygile, the tower. J'avais pas remarqué pour Yennefer. Waouh! Une faveur amicale. Est-ce que j'ai gagné un niveau en faisant l'amour à mon ami? Non, manifestement non. Ouais! Ouais! Oh, après cette magnifique scène, quelques instants de maman. Non, en vrai, c'est en vrai, c'est qu'il faut que je fasse la capture d'écran. La capture, pardon, de vidéo. Ce sont les choses qui arrivent. Donc, non, il n'y a pas eu de don aujourd'hui. Vous avez gagné, c'est gratuit. Il va falloir, par contre, Ina, que pour toi, je trouve vraiment une photo de papa. Il va falloir... sauvegarder le clip vidéo. Ça, c'est fait. Il faudra que je télécharge en amont plus tard. Hop. Ouais, c'est un problème de câble, en fait. Hop. Oh là là, Octorok, si t'es en mode podcast, c'est que tu rates. J'aimerais pas d'être à ta place. C'est bon. Donc... Ah putain, elle est toujours pas finie de régler ses affaires, Kaira. Nager rapidement maintenant. Eh, le signe de Quen, il dure vachement longtemps, j'ai toujours 12 minutes de signe. Ouais, j'ai pas mieux que maman, là j'ai... en stock, j'ai du Jean-Pierre Foucault, j'ai du Julien Chies, j'ai du François Hollande, j'ai du Denis Brognard, j'ai du Michou, et du Pascal Sevran. J'ai pas remarqué, non. J'ai oublié de capturer la scène avec Yennefer. Pourtant, c'est pas comme si sur PS4 t'avais une touche qui s'appelait Share et qui était censée faciliter la prise de vidéo. Donc, au niveau lingerie, t'es en train de me dire Ina, c'est pas très original. D'accord. Sac à vin, je vois pas ton lien. Papa et tonton. Ça doit être un truc, une image de Chip and Dale, ou j'en sais rien. Ah, j'ai oublié que la tour était protégée par une barrière fortifiée, que bien évidemment Geralt ne peut pas franchir, parce qu'il ne peut pas sauter là-dessus. Bon, en même temps, c'est des pics. Hop, par là. Non, toujours pas, putain. Tu vois, je vais devoir faire tout le tour avant de trouver quelque chose. Enfin, une entrée surtout. Geralt de Rivia. Alors, je sais pas ce qu'il a mis comme image, mais pour qu'il mérite, on va mourir. Ça doit être puissant. Eh, je veux pas voyager rapidement. Eh bien, aussi, j'aime bien l'ambiance quand t'arrives dans cette tour. Ah, je crois qu'on va remettre ça, mais au dernier étage de la tour. Le mec qui est vachement confiant, sûr de lui. Attends, parce que quand même, il s'était vanté au début, c'est des projects qu'ils avaient capturé genre 20 heures de scènes de cul. Alors effectivement, si tu comptes une scène vivante par prostituée, mais enfin, les scènes, elles vont pas pisser bien loin, hein. Elles durent 18 secondes. Arrête avec ce décolleté! Yo, Graz, là!
T'arrives après la bataille, mon ami. Il y a une scène magnifique. Je la mettrai en... Le mec qui regarde le décolleté. Il y a une scène, qui pour une fois est originale. C'était une scène de boule, mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait d'abord l'attraper. Et pour l'attraper, il fallait utiliser ses sens de sorceleur et renifler son odeur. Et ça, c'était beau. C'était vraiment c'était vachement sexy et glamour. Monkey! Non, Monkey, je t'ai déjà vu. Comment te sens-tu? Bien dormi? C'est quoi ces notes? Non, je sais pas servir de toi, voyons. What do you want with those papers? Why, I aim to use them to continue important work that a man's tragic death put on hold. Alexander was studying the Catriona plague. I'll use his notes to produce medication, perhaps a cure, or at least a vaccine. Mm-hmm. At least a strictly humanitarian motivation. Sans déconner. Nope. Hey, arrête de spoiler! The mighty would pay willingly for such a remedy. Can you imagine how much? Take Radovid, for instance. Why, he might even consider forgetting my past associations with the Lodge. J'imagine. You're either incredibly gullible, or you're trying to play me again. Whatever do you mean? Ok, donc vous votez pour la défoncer? To defeat him here. Putain, quand même! Stopping the plague won't help him. Je viens de faire l'amour avec. So he'll either burn you at the stake with those notes among the... D'habitude, après une relation, ou tu fumes une clope, ou tu prends une douche, ou tu fais un câlin, ou tu demandes combien tu dois, mais tu la défonces pas, généralement. Je peux pas faire ça. In theory, it's just as possible for a Daxon to impregnate a she-wolf. I don't have time to debate this, Geralt. I'm going to see Radovid, whether you like it or not. Donc j'ai pas le temps de débattre avec toi, j'irai voir Radovid que ça te plaise ou non. It's your conscience, but you do know hundreds, thousands could die. What of it? What difference will it make if Nilfgaard's legions die by steel or because of some fucking germs? None. A plague can go wrong, go wild. A sword won't. Non, je peux pas. Shut up for a moment and look at me. Je peux pas la défoncer. Quelqu'un qui a un décolleté pareil ne peut pas être foncièrement mauvais. Bedbugs, Geralt, bloody bedbugs. I, Kira Metz, advisor to Foltest, a member of the Lodge of Sorceresses, have bedbugs. Think what you will, but I'll not stay in this bloody swamp one day more, not one day. I shall cross the Pontar, and that means Radovid's men will find me sooner or later. Don't you understand? Je ne peux pas me résoudre à ça. I don't have a choice. I will have to parley. Got another option. Go to Kaer Morhen. Ouais, j'ai besoin de toi pour m'aider. You believe I'd be safe there? No, the opposite. When I get there with Ciri, I expect we'll have to battle the Wild Hunt. Unbelievable. Have you even been listening to me? Closer than you think. C'est grave là. Alors c'est dit avec toute la subtilité qui te caractérise, mais c'est un peu ça. Elle me dit seulement maintenant qu'elle a plein de puissance. Oh, faites Geralt, j'ai des MST. J'espère que tu m'en veux pas. Go to Kaer Morhen. Show everyone what you're made of. Putain, Ina, non. Si même toi tu, encourages à défoncer une nana. Où va le monde? Bah tu vois, non, j'ai réussi à négocier, elle va aller à Kaer Morhen. See you at Kaer Morhen. Beds free of bedbugs, mostly. I long to be there already. See you, Geralt. C'est bon. Tous présents, j'ai réuni tout le monde, ça y est. On va pouvoir attaquer la fin. Et plus c'est affinité, je sais pas. Tiens, pour le bien de la science. Et je suis en train de finir un nombre incalculable de quêtes. Rendez-vous sur l'archipel de Skellige. Là, on approche de la fin du jeu. Ouh, une goule. On dit une ou un goule? Un goule. Non, une goule. Attends, on dit des boules. Donc j'ai envie de dire, on dit des goules. Non, tu ne coteras pas ça, Grazla.
C'est nul, il n'y a pas de sens, c'est pas romantique. Défonçage de Dieu! Salut! Bon, j'avais un rendez-vous sur l'archipel de Screech. Oh putain. Heureusement je n'ai pas eu à la défoncer. Bah oui Ina, si tu vas dans le sens de Graz, en même temps c'est normal qu'il soit d'accord avec toi. Graz il dit tout le temps c'est nul. Faut que j'aille là, on est d'accord. L'archipel de Skelch. Tiens, je voulais pas. Où je dois aller là. Graz Lunae. Et l'archipel de Skellige, il est vachement étendu en fait. Bon, où dois-je aller? Lieu non découvert, lieu non découvert, lieu non découvert, putain. Non, je sais, Inacte a pas fait exprès. Mais bon, tu vois, sans malentendu, tu vois ce qui se passe. Analysons les quêtes. Niveau conseiller, niveau 22, j'ai niveau 20. Je m'en fous, je suis un malade. Rendez-vous sur l'archipel de Skellige. Ok, j'y vais. Non. Oh. Non. Que tu crois, grâce. Allez hop, c'est parti. Je m'en fous, je vais me téléporter n'importe où. C'est pas comme si c'était important. Y'a quoi là? Ça veut dire quoi? Campement des bandits. Oh, au pire, je vais défoncer du bandit. Non, là, y'a un point d'interrogation, ça part encore plus cool. Bon, allez. Ouais, je parle tout seul. The curse that held Uma proved hard to lift, but Yennefer and the Witchers managed to do it. The ugliest man alive revealed himself to be not man, but. Les prémices de l'amour. But this was his name. Was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt. Il met à chaque fois le même résumé. À chaque fois qu'il va faire un temps de chargement, j'ai droit au même résumé. Et ça, ça craint. Donc, je confirme que vendredi, il y a de grandes chances. Alors, je sais pas si on finira le jeu parce que si ça se trouve, il reste encore 20 heures. Mais en tout cas, on ira très loin dans le jeu. Hop! J'ai eu peur. Ma télé est allumée, j'ai eu peur. Les herbes prélevées sur les monstres et les alcools forts sont nécessaires pour préparer des potions. Ouais, tu m'étonnes, en fait, ils font des potions à base de gnoll et de shit. Tu m'étonnes que Geralt, il a des yeux chelous. Mais je l'ai déjà fait, ça! Je suis déjà monté à bord d'un bateau, j'ai déjà été sur l'archipel de Skull. On va pas le contrarier. Hey! Je veux faire un voyage rapide. Fuck. L'île de la brume. The Island of the Brume. Way. J'espère qu'on va pas se taper là un tunnel de cinématique. Allons prendre en bateau. Tiens. Oh, on est d'accord, un bateau à con, il a pas précisé qu'il fallait que je monte sur. Non, pourquoi il a pas l'air d'accord? Si je prends celui-ci, c'est bon. Oh! Voyager jusqu'à l'île des brumes. Avance! Pourquoi il avance pas? Hey oh! Oh putain! C'est le fosséa. Bon, on est parti à 2270 pas. Il y a moins de faire des crêpes en attendant. Alors que je suis toujours sous le coup du signe de Quen. Oh,
Putain, une baleine! On peut faire de la chasse sous-marine dans le jeu? Ce serait vachement intéressant. J'aurais juré m'être déjà rendu dans l'archipel des brumes. Du coup, je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi je suis encore obligé de faire le chemin. Non, Black Flag, non. Je l'avais commencé à l'époque sur, sur PS4, justement. Et il m'a pété les couilles. Vraiment, j'ai pas du tout accroché. Eh, y'a quoi là? Y'a quoi? Ah, rien à foutre, je plonge. Yeah! Oh! Ah, la maniabilité sous l'eau, c'est pareil, c'est pas. Elle est pas. Yeah! Hop, ça c'est fait. L'autre. C'est ce qu'on appelle la contrebande, les loulous. Putain, je suis juste devant. Allez! Ah, maniabilité, putain! Et je suis à côté, ramasse! Je suis obligé de remonter. Allez! Putain, ce fut juste. C'est quoi? En fait, je vais. Hey! Oh putain! Dégage, j'ai une sirène. En fait, je vais lâcher le. Je vais lâcher les coffres. Tiens, la revoilà, la revoilà, la putain, me poursuit! Tiens! Tout ça pour avoir un coffre avec deux florins dedans, ça valait trop pas le coup. Ah mais elle est coriace! Elle accroche au bateau. Elle va niquer le bateau si ça continue. Et merde. J'étais censé prendre un bateau, sauf qu'il y a de la terre ferme devant. Est-ce que je vais pouvoir contourner tout ça? Je suis déjà au niveau de l'île des brumes. Alors si je regarde au niveau de ma map, est-ce que je peux contourner tout ça ou est-ce que ça vaut pas le coup? Elle est où, l'île des brumes? Ah ouais. Ouais. Ah si, je pouvais contourner, mais ça fait un putain de... Il va falloir que j'essaie de passer au travers. On dirait que là, je peux, ouais. On dirait que je vais pouvoir passer au travers, quand même. Salut, Wazy! Dankeschön! Welcome on the stream. Und the stream. Je peux pas passer, en fait. Marche arrière. Et pourquoi ne pourrais-je pas passer? Attends, là si je fais une marche arrière. Ah, tu sais quoi, fuck. Je vais finir avec mes petites mains. Lâche! Lâche! Ah, j'ai pas le choix. Alors à moins que je trouve un autre bateau. Est-ce que je suis vraiment obligé d'arriver sur l'île des brumes en bateau? Parce que j'ai l'impression que là... il a pas l'air d'accord en fait pour que j'y aille à la nage.
Je m'en fous, rien à foutre. Je suis un malade, j'y vais à la nage. Ah, il veut absolument que je prenne un bateau. Donc je vais mettre un marqueur personnalisé. L'île des brumes. Eh, mais attends! Mais j'y suis déjà allé à l'île des brumes! Ah non, c'est bon, il y a un bateau là. Je vais suivre mon marqueur personnalisé. Et je vais me chercher un autre bateau. J'étais sûr d'avoir déjà été sur l'île des brumes. Du coup, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il tient absolument à ce que je prenne un bateau. Encore. Ce serait con que ce soit scripté, en fait, aussi loin que ça. C'est-à-dire que tu sois vraiment obligé de prendre le bateau qu'il a décidé que tu devais prendre. Le bateau qui est là. Ah, pendant ce temps-là, je trouve des marqueurs. Hop. Bon, on va dire ce bateau, il compte. Prends la barre. C'est bon. Ok, il m'a validé le truc. On the road again, motherfucker. Il reste 1300 pas. Ouais, je sais, on est dans l'eau et on compte en pas. C'est ballot, c'est moche ce qui se passe. Cache des contrebandistes, pareil. C'est devenu trop dangereux d'aller dedans. Non, surtout la maniabilité sous l'eau est épouvantable. Et là, j'ai Graz qui va me dire « Non, c'est toi qui sais pas jouer !» Peut-être. Mais quand même. Peut-être, mais quand même. L'île de la brume, elle ressemble davantage à l'île enneigée. T'as vu ? C'est j'auto-grazle en fait. J'ai intégré à moi une partie de grazle. Non, je retire. Je sais comment ça a pris. Donc je connais tellement maintenant la façon dont il va réagir que je fais les affirmations et les réponses. T'as pas le son ? Ah, c'est ballot ! Rien, grazle. Ça passe rien du tout. C'est con, tu venais de gagner un jeu en fait. T'avais une minute pour te manifester. Quel dommage. Pas trop déçu ? C'est grâce, tu devrais regarder le stream avec Octo, parce que Octo il a que le son et pas l'image, et toi t'as que l'image et pas le son. Former un bon duo, j'ai envie de dire. Eh, n'empêche, il aura fallu une heure de stream pour finir les 2-3 quêtes annexes qui restaient, dont une demi-heure en bateau. Ina, comme tu balances. Il n'y avait qu'à regarder le replay. Ça sert à ça aussi. Non, ceci dit, je remercie Ina de regarder les replays parce que voilà, je regarde jamais de replay de stream. Je parle pas des miens, bien évidemment, mais des autres streams que je suis. Parce que je pars du principe que voilà, le fait de streamer, le Twitch, machin, tout ça, c'est du live. Et que le gros intérêt d'un tel truc, c'est l'échange. Et j'ai l'impression qu'en VOD, ça perd quand même une grosse partie de son intérêt. Sauf si vraiment on est là pour regarder le jeu en particulier, un jeu en particulier, effectivement, ça vaut le coup de regarder de la VOD. Mais sinon, tu perds l'interaction et ça, tu perds énormément dans la bataille. Espèce de hache. Ça c'est... Je suis pas sûr qu'elle me plaise cette nouvelle expression. C'est comme péjoratif. Non.
archipel de Skellige. Si, alors donc je confirme, je suis déjà allé sur l'île de la brume. Je suis en train de perdre l'oreillette oreille gauche. Jean-Luc Delarus qui nous regarde. Donc Ciri se trouve manifestement sur ce putain d'archipel de la brume. La question est, si je m'étais rendu dès le début du jeu sur cet archipel, est-ce que je pouvais finir le jeu directement et retrouver Ciri? Ou est-ce que tout est scripté? Vous approchez d'un instant crucial de l'histoire du jeu. Nous vous conseillons de sauvegarder manuellement votre partie maintenant, ok? Ok. Voulez-vous vraiment vous rendre sur l'île des brumes? Si vous rendez sur l'île des brumes, certaines quêtes secondaires ne seront plus disponibles. Niveau du personnage conseillé. Ouais, je... Soyons fous, j'y vais. Ah, toutes ces quêtes sont mortes. Échec, 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 échec. Je sais pas si j'ai bien fait d'y aller, en fait. Échec. Échec. Oh putain, merde. Je crois que j'ai fait le con. The curse that held him up proved hard to lift. Je crois que j'ai fait le con. Yennefer and the Witchers managed to do it. The ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Have a luck. J'ai l'air de pouvoir être déstabilisé. Non, pas trop. Putain, j'ai la crève. Je sens ma gorge qui me gratte. C'est ce putain de temps chaud, froid, chaud, froid. Je vais mourir, je vais décéder de la gorge. Ah, ça va être marrant le stream vendredi toute la journée. Je vais finir le stream comme ça. À chier. J'ai fait le con là. Ouais, j'ai fait le con. Comme d'hab. J'ai pas été déstabilisé. J'ai tourné la tête, j'ai dit... Oh tiens, c'est marrant, elle est allumée. C'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. Est-ce que je me rends là tout de suite maintenant sur l'île des brumes? Déjà, faut que je jette un coup d'œil à mes compétences. Parce que j'ai quand même des points à attribuer. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir attribuer? Ça, je vais le mettre à fond. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Hey, j'avais pas fini. Maximum. Et donc ça, je vais le mettre... Hé ! Là ! Et donc pour l'autre, il me faut un truc bleu. Et en truc bleu, j'ai ça, j'ai la main... C'est quoi ça ? Bouclier actif. Ok. Ouais, je parle en truc rouge. En truc rouge, j'en ai que deux. Et donc, un truc bleu, j'ai ceci que j'en ai quatre, là. J'ai la main qui repousse. Ah, je vais le mettre là. Là. Tant pis. Est-ce que là, j'ai de quoi mettre une pierre jaune? J'ai pas de pierre jaune. J'ai du bleu, du rouge et du fer. Sauf que je crois que j'ai rien augmenté du tout en vert. Ouais, j'ai rien augmenté, donc je suis dans la merde. Hashtag classique. Classique et limite trop facile, j'ai envie de dire. Quête secondaire, il m'en reste plus beaucoup. Si ça va, il m'en reste encore quelques-unes à faire, heureusement. Donc je pourrais quand même revenir en arrière. J'espère. Contrat du sorceleur. Non, ça va, il me restera pas mal de trucs à faire. Il y a des quêtes que j'ai merdé, que je pourrais plus faire, mais tant pis. Ce sont les choses qui arrivent. L'île des brumes. Il faut que je suive la luciole. J'ai comme l'impression... C'est qui était bloqué la dernière fois là-dessus? C'était le Samy, me semble. Et c'est Fulgator qui t'avait aidé. Il faut suivre la luciole. Suivre la luciole, c'est ce qu'on va faire.
Mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Parce que malheureusement, c'est déjà l'heure de se quitter, mes petits loulous. On a bien avancé aujourd'hui. Rouillé. Je cherche la vanilla. Non, on a déjà bien avancé aujourd'hui. Donc je suis même sûr qu'on se dirige grandement vers la fin du jeu. Puisque là, on est sur l'île des brumes, ça y est, il faut suivre la Luciole. La prochaine étape, ça va être de retrouver Ciri. Je vais retrouver Ciri. Je vais prendre Ciri. Je vais récupérer Ciri. Et je vais la ramener à Car Molen, Car Valen, Caravan. Et ensuite, il y a la traque sauvage qui va me poursuivre. Et ça va donner une bataille finale épique. Et tout ça, ce sera pas demain. Enfin, pas demain matin en tout cas. Demain matin à 9h, c'est sûr, il n'y aura pas de stream parce que j'ai beaucoup de paperasse à aller faire. Je vais passer à la mairie, machin. Enfin, il y a plein de trucs administratifs à faire demain. Si je stream, ce sera plutôt vers midi, voire 14h. Voire pas du tout. Ce qui est sûr, c'est que demain soir, il y a l'émission à partir de 21h, lâchera ma show comme tous les jeudis. Et prochain rendez-vous donc de stream toute la journée, ce sera vendredi à partir de 9h le matin. Vendredi pour un stream toute la journée où on sera Octorok pour la dernière fois. Je pense sur The Witcher 3, puisqu'on finira le jeu vendredi. C'est une promesse, et je me dois de la tenir. Rouillé, oui, comme ça, ça donne des dégâts sur le de Titanus. Je vois même pas de quoi vous parlez. Mon Dieu! On va se quitter en musique. Avec... Hotline Miami 2. Ça fait un moment qu'il n'y a plus d'Hotline Miami 2. Soyons fous. Ouais, Hotline Miami 2. Ça faisait longtemps. Je vous remercie d'avoir suivi ce stream. Je vous souhaite... J'ai la voix qui se barre. Je suis vraiment désolé. Je vous souhaite une excellente journée, plein de bonnes choses, bon courage à ceux qui travaillent, bon courage à ceux qui vont étudier, bon courage à ceux qui ne font rien, profitez-en. Et rendez-vous demain, ce qui est sûr c'est demain soir en tout cas pour l'émission, et sinon vendredi matin à partir de 9h pour un nouveau stream, toute la journée cette fois-ci. Je vous embrasse très fort, je vais essayer de ne pas louper ma sortie cette fois-ci. Le chapeau, il faut vraiment que j'essaie de ne pas louper, donc je prépare tout ce qui va bien. À demain. Gros bisous, bisous Ina, bisous Wesy, bisous Grazla, bisous Mankanilofi. Et bonjour, bisous Nax aussi, toi aussi qui est passé. Octorok, je ne t'oublie pas non plus, toi qui es en mode podcast. Passez une excellente journée. Salut !